charger tout ça sur le bateau. Bougez-vous ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate ! Mais qu'est-ce que t'as ? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi ? Oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi qu'on traîne par ici? C'est bizarre. Mais non. Sully a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok, ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'ils bossent pour eux? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Il est par là! Oh mon Dieu! Pareil a pu arriver. Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena, j'y arrive pas! Donne-moi ton autre main! Il faut que tu la lâches! Et merde! Fais chier. Okay. Tout va bien. Allez. Ça va. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Thank you.
Bon sang, Elena, tire sur le baril! Merde! Tout va bien? Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe.
Ralentis, tu veux? Un des hommes dédiés pourrait nous attendre. Allez, ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh mon Dieu! C'est dégoûtant! Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or? C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve! Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi, c'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Il est là-bas! Reste planqué! Ils ont des viseurs infrarouges! Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. T'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il faut avec eux. Ce salopard a aucune parole. Il est là-bas. Nate, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais, moi aussi. On trouve Sullivan et on se tire d'ici. Maintenant ! Ne les laissez pas passer ! Il est là-bas ! Non.
Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Oh. T'es prêt? Bon, tu peux lâcher. Doucement. Oh, j'ai dit doucement. Oh la vache. Ok, bon. Il est là-bas. Attention. D'accord. C'est sûrement la bibliothèque. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux.
Travailler dans un petit bar aux Philippines. Oh, mec. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme. Hein. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Eh ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mine-toi, hein. Le chef, il a pas que ça à faire. Hé hey, là-haut! Oh merde. Attention! Je vois. Oh mon Dieu! T'es foutu, Drake! J'espère que ça vaut le coup! Il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on, trouve la salle. Ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas à sceller. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Ces statues sont étranges.
Ok. Bingo. Tiens, ça me dit quelque chose. Oh, encore une bibliothèque. Ok, quoi encore? Ça a l'air prometteur. Ok, laisse-moi voir. Ouais. Ok. Vous bougez pas, je vais aller voir ça. Wow. Non, pas question que tu y ailles tout seul. Eh ouais, les hommes de Roman grouillent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok, prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13, ils l'utilisent pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate, sois prudent. Voyons, je le suis toujours. Oh ! J'avais pas vu ça ! Ah !